Non, non, en plus, moi, c'est pas totalement vrai. En 2 ans, j'ai eu 0,5 rapports sexuels. Et je sais que les gens sont un petit peu intrigués quand je dis ça. Il y a même des gens qui se disent « Oh, la chance ! Il a réussi à coucher avec une naine ?» Alors, non. Premièrement, non. Et deuxièmement, c'est pas correct de dire ça. D'ailleurs, la dernière fois, dans le public, il y a une fille qui s'est levée et qui a dit « On dit pas naine, on dit personne de petite taille !» Non, on dit naine, vraiment. Je suis désolé, en fait, moi j'ai beaucoup de mal avec ces nouveaux mots, tu sais, pour tourner autour du pot, pour épargner les gens. Pour moi, une personne de petite taille, c'est quelqu'un qui est petit. Une naine, c'est quelqu'un qui est malade. Là, je sais qu'il y a un petit froid dans la salle, je connais le texte, je l'ai écrit, j'ai une descente d'organes. Mais le nanisme, c'est une maladie, et moi je trouve ça encore plus dégradant de dire « Oh, regardez la petite personne !» Non, c'est des nains, ils vivent dans des grottes avec des dragons, un minimum de respect, s'il vous plaît.